Oh, bah non, salut quand même. Attendez, je vais vous prendre face. Ouais, c'est mieux. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous l'aurez compris, je suis en train de m'installer pour faire le haul de mes achats que vous attendiez, apparemment pas mal. Et bah, je vous reprends juste après parce qu'il y a du taf. Je vous parle de ça aussi juste après. Bon, je peux vous reprendre, j'ai terminé tout ce qui est tournage. Franchement, elle va être bien cette vidéo. J'ai bien aimé la tournée. Oui, donc je vous disais, parce que j'avais pas trop le temps de vous parler, mon œil qui pleure, il continue à pleurer, je pensais que j'avais trouvé moi. Et en fait, non, le truc qui me provoque cet écoulement, je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est pas une crème, c'est sûr, parce que mes crèmes de nuit, enfin, ça me pique pas. C'est dès l'instant où... Je crois, moi je pensais que c'était le mascara, mais visiblement non. Si c'est l'ombre à paupières, mes nouvelles palettes, ça va poser problème. Bah, il faut que je continue à faire des tests, à mettre qu'un produit, qu'un autre, jour par jour, et puis identifier. Voilà, donc sinon, bah, vous l'aurez compris, il faut que je fasse à fond tout ce qui est montage. Il doit être midi, donc je suis plutôt pas mal en termes de timing. Et j'ai mis ça, bah oui, parce que j'ai fait tous les essayages pour la vidéo. Il y avait pas mal de fringues à essayer. 16h39, ça c'est quasiment terminé. Je me suis changée hein, au passage pour être quand même plus à l'aise et puis un peu plus chaud. J'attends qu'Eric rentre vers 5h30. Il m'a dit qu'on irait faire les petites coursettes, des choses qui nous manquent, notamment pour le petit-déj. C'est un peu la rade au niveau du pain de mie. Mon œil, ça va mieux. J'ai enlevé tout ce qui avait coulé. J'ai enlevé l'excédent. On verra, mais bon, il faut que je continue à faire des tests. Et là, je vais en profiter parce que là, du coup, il me reste combien? Trois quarts d'heure, une heure, je vais ranger ici, je vais ranger dans mon bureau, je vais ranger dans ma chambre. Là, je suis en train de faire tourner une lessive, je sais pas si vous entendez. Bref, il y a toute la partie ménage également à faire. Hein. C'est bien joli de vlogger, de tourner, mais il faut s'occuper du reste. Il va être quasiment l'heure, 17h21. Je suis bien avancée. J'ai pas complètement terminé ce que je voulais faire. La partie cuisine, le lave-vaisselle... à ranger, à re-remplir. Le linge n'est pas terminé. Bon, je l'étendrai en rentrant. Ma pièce de tournage, j'ai déblayé, j'ai fait les cartons, les machins, les trucs. Et un peu dans ma chambre. Bon, ma chambre, c'est ce qui reste le plus... Laisse tomber, en fait. Il faut que je m'y consacre une journée entière, voire deux. Ouais, c'est à ce point-là. Le rouge à lèvres. Effectivement, je viens d'en mettre un. C'est un des quatre que j'ai reçu. De la nouvelle collection. Je vous montrerai ça, je pense, dans un vlog prochain. Pareil, c'est marrant, mais j'aime assez, même si c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. Voilà, voilà. Il y a vraiment pas grand monde dans le Leclerc. Je cherche mon chavreau. Ah, il est là, le coquin. Familial, c'est très bien celui-là. T'as pris des desserts, trucs comme ça? Oui. Bah, moi, j'ai pas pris encore. Oui. Je prends les desserts et je pense que c'est bon après. Ah oui, j'ai pris les desserts pour moi. Oui, justement, je prends pour moi. 18h25, c'est cool. Là, on se rend compte que les jours rallongent. Il a bien tenu, en tout cas, le rouge à lèvres. Je sais pas, j'ai pas envie de faire. Je vais pas faire des retours de course tout le temps. Hein. Je vais tout poser là. Je vais vous montrer une vue d'ensemble. Okay, et éventuellement, s'il y a un produit ou deux produits que je prends jamais, je vous montre. Pas la peine, c'est pas un retour de course. Ça passe ou pas la lumière? Oui. J'ai pris, ça je vais vite les mettre, c'est les surgelés. Ça c'est la pizza que je préfère le plus. Elle est très très bonne et la même, mais version thon, qui n'est pas sèche je trouve. Surgelé, il y a tout ça. Et tout ça. Et je vais tout remballer tout de suite. En nouveauté, j'ai eu une envie d'hummus. J'adore le hummus avec bah, des binis. Ça c'est vraiment les choses que je ne prends pas habituellement. Les crackers. Sans gluten, ça. Oh, c'est tellement bon, tellement bon. Et le reste, si, éventuellement ça. Donner envie. Activia bifidus arôme miel. Faut voir. Quant au reste, je pense que rien de spécial. Hormis, j'étais obligée de racheter des croquettes parce que celle que j'ai prise, genre Elsie, là, elle est un peu light. C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il est pas rassasié du tout, il pleure toute la journée. Donc je lui ai pris celle-ci qui m'ont l'air quand même plus complète. Je sais qu'il les avait déjà prises et il avait bien aimé. Voilà, et ça aussi, je vous l'ai dit ou pas? Des petites compotes sans sucre ajouté, pomme-poire. Re-coucou, il doit être 19h20. Et je me suis posée là, le temps que... Bah déjà, ma vidéo soit... Sorry. Pff.
pour déjà regarder un petit peu vos messages, ce genre de choses. Je vais préparer gentiment le repas. Je pense que ça va être juste les pizzas. Voilà. Ça va être très très bien. De toute façon, il faudra les manger, donc pourquoi pas ce soir. Et oui. Est-ce que vous vous souvenez quand je suis partie à Vendôme? Me revoilà. Je vous avais dit que j'étais passée à la pharmacie, que la pharmacienne... Je ne sais pas si vous avez bien entendu parce que j'ai parlé vite et puis c'était dehors, il y avait du bruit. Je sais pas comment on en est arrivé là. Si, je lui ai demandé des oméprazoles pour me dépanner. En plus, c'est même pas sur ordonnance, je ne savais même pas. Donc, elle m'en a donné. Voilà. Et on a parlé, en fait, elle m'a demandé si j'avais d'autres pathologies. Elle me dit, pourquoi vous pouvez pas prendre ça? Je fais, non, parce que, par exemple, moi, je peux pas... je suis carencée en fer. Le magnésium, je peux pas parce que je ne le tolère pas. Je dis, oui, ça fait quand même pas mal de pathologies. Et... moi, je vous propose quelque chose parce que Pharmala, elle est en fait, alors comment on dit, la nutri, il y a le profil de bionutrition et j'ai un questionnaire à remplir, 81 questions, enfin c'est juste à cocher quoi, du style consommez-vous plus de 2 fois par semaine des plats industriels, congelés, conserves ou plats préparés, mais pas du tout. Enfin, faut être honnête là, donc oui, je vais mettre oui. Consommez-vous chaque jour plusieurs fruits et légumes crus de saison? Par exemple, je vais dire non. Mangez-vous à heure régulière, assis et dans le calme? Assis dans le calme, oui, mais à heure régulière, non. Ah oui? Donc tu réponds quoi dans ces cas-là? Je sais pas. Avez-vous un excès de cholestérol? Êtes-vous facilement essoufflé? Bref, il y a plein de choses. Et à la fin, elle va me faire un diagnostic. Et elle pourra m'orienter sur... Des compléments pour le magnésium, le fer, ce genre de choses. Franchement, ça me séduit beaucoup l'idée, vraiment. J'ai bien envie de faire ça tranquillou et puis quand je sais pas, je lui dirai je sais pas parce que oui et non. Voilà. On a un bébé Zaki qui est juste là. Et lui, comme je vous ai dit par rapport aux croquettes, toute la journée, il était pas bien. Il avait beau manger, mais ça lui suffisait pas. Donc là, il est repu, il a eu ses nouvelles croquettes. Et là, il est calmé. Mais oui, mon bébé, ça. Parce que c'est un gentil Satan. Gentil. Et j'ai relavé la housse. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est détendu, il est bien, là. Il se repose. Aujourd'hui, c'est... J'ai mis ça. Et ça par-dessus, j'étais à Leclerc comme ça. Oh là là, j'avais un look. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. La machine à laver, on est rentré. Forcément, ça n'a pas sonné, puis ça a dû s'arrêter. J'ai oublié de l'étendre. J'avais oublié. Je vais monter, je vais étendre le linge et je ferai à manger après. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'aider, en fait? Hop là, hop là. C'est marrant, c'est juste la lumière de mon ordi qui est claire comme ça. Peut-être que j'allume tout de même. Ça y est, j'ai fini d'étendre. Et ça, c'était sec. Je vais pouvoir la remettre là-haut. Par contre, faut vraiment qu'on l'enlève, cette télé, là. Mais elle est lourde, faut qu'on trouve des bras pour nous aider. Que font mes bottes au milieu du passage? Jackie? C'est toi qui as touché à mes bottes? Pour cacher tes papates toutes blanches, mais sont belles tes petites papates que ça. Alors, moi, ça, c'est parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Je peux pas vous en parler. Eh oui, je me la joue un petit peu secrète. La housse, c'est jamais très joli, hein. Mais bon, ça va se remettre. Ben voilà, nickel. Alors, ça aussi pour moi, bon, enfin, je dis celle-ci pour moi, je la mange pas en entier, hein. Je finirai demain. Et pareil, celle-ci pour lui. Alors, c'est vraiment tout ce qu'il aime, le truc. Américain, bœuf, cheddar, cornichon, sauce burger. Pour en revenir, là, je vous disais que je vais bosser, mais oui, en fait, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Voilà, c'est mis en aliment. Oui, je disais, je vais jouer à YouTube. Genre, je ne peux pas vous en dire, mais on en est là. On en est là, je suis sur quelque chose de très gros. Très, très gros. Il n'y a que 3 personnes qui sont au courant. Mon chéri, ma fille et ma sœur. Et Jackie, accessoirement. Ah là, les choses bougent en cuisine. Jackie... Non, ah non, par contre, c'est fini, les bêtises. C'est fini, ça. On reste à sa place. Je vais faire un petit épisode de clan d'heure en finissant ma pizza. On se retrouve le lendemain, c'est-à-dire mardi.
Hier, j'ai pas. Alors, c'est même pas que j'ai oublié ou quoi, c'est que j'ai pas terminé le vlog et je me suis dit, bon, je vais quand même pas les laisser avec un message genre salut, blablabla. Donc, je me suis dit, c'était plus cool de vous reprendre aujourd'hui. Même si je ne vais pas enchaîner sur une journée de vlog aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, il n'y aura pas de vlog. Peut-être une vidéo, je préfère pas m'avancer, mais aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment besoin de me consacrer pleinement à ce que je suis en train de faire. Je vais donc vous faire un gros bisou et vous dire bah, très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Salut!